que là, ils sont en période de mue. C'est vrai que souvent, on parle de mue chez les reptiles, hein, chez les cerfs. Et puis, vous avez aussi les oiseaux, la mue des oiseaux inféodés. Un petit peu de ce plumage, en fait, c'est vrai, quand on les voit. Solitaires, ils n'acceptent pas la présence d'un autre mâle. À la limite, des femelles, ça va, mais surtout pas un autre mâle. Donc on va pouvoir couple. Et puis justement, par rapport au fait que les mâles vivent solitaires, ils sont territoriaux, bien sûr. Avant 5 minutes, il lâchera un ordre d'endophatie, tout simplement. Alors, petite particularité pour développement. Et puis il continuera son développement plus tard, afin que les naissances arrivent en été ou au printemps. Son qui était dans son bébé et l'autre ne survit généralement pas dans la nature. Mais dans les eaux, il y a un incroyable produit. Oh,